nous allons, pour finir, donner la parole à monsieur le préfet Vision pour cette supervision qui a duré 3 mois et qui a été même au-delà. Merci infiniment, monsieur Tabré, pour vos mots de conclusion, des mots qui viennent de la coordination. Je voudrais faire observer par cette illustre assemblée la présence parmi nous des responsables, de vos responsables de la NASAP. Ils ne sont pas là par le hasard. C'est parce que quelque part, nos efforts se rejoignent. Et nous le savons tous, c'est une structure que nous sollicitons chaque fois que nous avons des besoins qui dépassent normalement nos moyens en matière de santé publique. Je voudrais très sincèrement en venir à mon rapporteur. Leur dire merci, trois fois merci, pour avoir répondu si favorablement à notre invitation. Ils n'étaient pas là au début, sont venus à la fin. Monsieur, j'avoue qu'ils ont, à travers tout ce qui s'est passé ici, compris que Lucien et la Vite TV sont résolument engagés à concrétiser sur le terrain la politique du chef de l'État, cette politique-là qui voudrait que l'on vive à l'esprit sain dans un corps sain et ce corps sain aussi dans un environnement sain. C'est ce que nous essayons de faire. Et leur présence nous rassure davantage parce qu'ils sont là et ils verront à chaque fois nos coups de fil, quoi pour venir nous draguer, animaux ou pas, ou ceci ou cela. Donc voilà la raison pour laquelle ils sont là. Encore une fois, merci à eux. Et de retour, ils n'oublient pas de transmettre notre considération, notre reconnaissance au général Berena pour leur avoir permis d'être parmi nous aujourd'hui. Nous pensons que l'amitié est définitivement nouée avec Anazap et que nous n'aurons pas de difficultés à les avoir à nos côtés, comme la fois passée le samedi dernier, quand on était en train de mettre au propre l'école primaire publique de Pakéfi, à un moment donné, nos roues, nos râteaux, nos coucous, ne pouvaient plus continuer parce que les caniveaux étaient tellement brûlés et il fallait plutôt de grands moyens. À Thiébié, dans la ville de Thiébié, en parlant sous le contrôle du patron de la ville, je sais que nous avons plein de ces cas dans la ville de Thiébié. Quand il pleut, au niveau du rond-point, l'eau stagne et cela n'est pas du hasard. C'est parce qu'il y a des travaux, de grands travaux à faire. Nous invitons à NASAP à nous écouter et à venir à notre secours. Et à d'autres également, d'autres cas. Et j'espère qu'au cours des jours à venir, au cours des séances que nous allons échanger avec eux, que ce soit en ville ou que ce soit dans la préfecture, nous aurons un écho favorable, de leur part. Donc, encore une fois, merci aux représentants de la NASAP. Merci à tous et à chacun d'avoir honoré de votre présence cette grande cérémonie. Vive le projet Mega City. Je vous remercie.